Et c'est parti. Et c'est parti pour ce France-Brésil. Une place. Là, vous devez comprendre à peu près tout ce qui est dit sur le terrain. Et une récupération de balle intéressante pour les Brésiliens. Et une frappe, ouais. Pour éventuellement la première occasion. Et c'est Hannibal qui va le tirer. Bien frappé. Oh, quelle parade. Oh, que c'est bien fait. Il rentre dans pour la surface Brésil. De réparation. Et pénalty. Le Brésilien. C'est parti. Oh, quel arrêté. C'est arrêté. Ah, c'est. Et attention, attention à cette équipe du Brésil qui là voudra mieux faire. Hein, avec cette frappe. Oui, donc on a les résultats un peu des autres matchs là au Mexique, Espagne qui est déterminant donc pour la suite de l'aventure des Bleus. Là, attendez, oh, quelle frappe. Et il l'a vu sur le côté droit. De Oliveira qui va repiquer sur son pied gauche, la belle frappe, frappe et but. Que c'est dommage. Que c'est dommage, et la grosse contre-attaque derrière, ça peut faire très 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 mal. Avec là. Alencar qui va essayer d'aller devant. Quel arrêt. Hop. Et c'était bien fait ça, avec le numéro 7 français, Alan. Alan Virginius, le de centre, bien joué. Oh, dommage. Et derrière, il y a peut-être des intervalles avec, voilà, là, un bon fait. Ballon. Dans la surface de réparation, il est trop long. Allez, destiné pour l'arrêt éventuellement. Il est bien avec un bon centre. Là, pourquoi c'est tranquillement. Question, sachant que c'est un des points les plus importants pour gagner un match. Et attention à cette contre-attaque. Ah, c'est encore de Oliveira qui est dans la surface. A équipe travaillou bastante lá no Brasil. L'équipe avait déjà beaucoup travaillé là-bas au Brésil. Va fazer uma grande competição, a gente já está preparado. Pour faire une grande compétition.